Salut Station Fréquence, les mains sur 1350 à vous tous de la part de Dandy 33 pour le QSO national du CAL 27. Alors on est vendredi 11 novembre. Alors je sais pas s'il y a un grand monde vu que c'est un long week-end plus un truc là qui va y avoir à la télé en même temps là ce soir. Alors voyons un petit peu ça. En avant les stations. Alors, j'ai entendu quelqu'un là de très 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 QRP dans le lointain, les bonnes sont 1351 à la station, voilà, de la part de Dandy 33, 14 ODR 002, QTH Sainte-Colombe, c'est-à-dire l'extrême est de la Gironde. Ah oui, comme à chaque fois, cette première vidéo est filmée, là, dans le but de redynamiser un petit peu la CB, plus le QSO, voilà, sur l'ensemble des régions. Oui, la station, si tu pouvais mettre un peu plus de puissance, je sais pas si c'est possible, car là c'est vraiment vraiment trop QRP, j'étais à peine sorti. Bon, j'ai quand même compris que c'était un OM qui parlait d'après la voix que j'ai pu à peine entendre, plus le Roger Beep à la fin, mais c'est tout ce que j'ai eu de mon côté. Luculuc, ok, voilà, ce coup-ci je t'ai entendu, les 113 de Luculuc, c'est très très QRP de mon côté, hein. Le dernier coup ça passait beaucoup mieux, peut-être la propague ou l'installation qui est pas la même, en plus ça a accroché à un moment donné, là je sais pas trop, hein. Enregistrer le break. Ouais, ben Luculuc, j'ai pas bien compris si tu étais au même endroit que Landefroid que l'autre fois. Il m'a semblé comprendre que tu avais la même installation. Et on dirait, je sais pas si c'est à cause du QRM ou quoi, mais on dirait que ça accroche par moment. Il y a eu un break, avec ta permission, d'avoir le break. Oui, 73-51 à tous, 14 Victor Eco 27, 14 ODR 027, opérateur Eric se signale. Et 73 Eric, ben toi là on démarre tout juste, il y a juste le Luculuc qui est derrière. Avant ça, il m'a semblé entendre d'autres stations. Je sais pas s'il y aurait aussi Belphégor qui serait pas loin derrière. Ok, quand t'as fait 1, 2, 3, 1, 2, 3, là de mon côté, ça allait encore, puis après c'est parti en sucette. Hop là, il y a eu un. Ça a couiné là sur la fin là. Oh oui, là il y a une. Si tu m'arrives à un Santiago de à peine un, juste un demi-point, là où ça a accroché pour le coup, là je crois que j'ai vu monter à 3-4. Wap là, c'est passé comme un boulet de canon. Oui, le break. Ok Jean-Marie, excuse-moi Luculuc, il y a Jean-Marie là qui vient de rentrer dans le QSO. Les bonnes 73 à toi, Belphégor, comment vas-tu? Bah écoute, ça va pas mal, hein, ouais, là je viens de faire du ménage un petit peu de la jardin. Donc j'ai les bras en compote, voilà. Je sais pas s'il y a des OM là derrière qui font du truc ménager là, du haut tonal, mais là c'est 4 pompons. Voilà, mais si jamais je vois bien. Sinon niveau radio, mais il y a un petit peu de SSTV, rien de bien formidable.
Ok, c'est pareil sur Facebook. Là, j'ai vu un OM. Je sais pas comment il les a eus, mais il a attrapé l'Australie avec une radio. Eh bien, je crois que c'est en phonie. J'ai pas tout compris. Là, il y a un truc qui m'échappe là dans le truc. Je crois que c'est avec un report de 57, un truc comme ça. Je sais plus. Ouais, je crois que c'est ça. J'ai pas tout compris. J'ai pas eu le temps de poser la question. Et il a fait aussi le Canada avec un bon report aussi. J'ai pas tout. Là aussi, j'ai pas tout compris, quoi. Et paraît-il que ce matin, fin de matinée, je suppose, il y avait aussi pas mal de propagues. Je vois pour notre part, on a décollé du QIRA vers les environs de 9 h ce matin pour aller à Confort Expo, là, à bord de lac. Et donc sur la route, ah ben non, sur la route, j'avais rien, j'étais. Non, non, j'avais rien. Avant de partir, oui, j'avais la station d'allumée au QIRA et c'était le calme plat. Donc j'imagine que la propague ce matin a dû arriver en fin de matinée. Ouais, ces derniers jours, je les ai entendus, hein, pourtant, les pays de l'Est. Ouais. Je continue à entendre quotidiennement l'Espagne, le Portugal, l'Italie. Ce matin, je sais plus, non, hier, peut-être plus, je sais plus. Ah ben non, hier, j'étais au Pro. J'ai entendu la Réunion aussi qui arrive à passer. Ça tourne un petit peu autour de ça, là, de mon côté. Tiens, voyons un peu s'il y a d'autres stations qui veulent rentrer dans le QSO, parce que c'est vrai que je reprends le micro un peu trop vite à chaque fois. En avant les stations. Oui, le break est en avant. Eric, est-ce que tu peux l'attraper? Parce que là, de mon côté, c'est Santiago Zero, radio 1 et encore 6-1. Ok, j'en profite pour saluer Belfigore. Les 73 Belfigore, Eric Villalordan, voilà. Non, je n'entends pas arriver, hein, je suis désolé, de mon côté, c'est du négatif. Hein. Ouais, enregistrer le break. Au fait, Eric, tu m'entends mieux? Côté micro, ça va? Ou il y a un truc à supprimer là dans le micro? Ah, ben moi, je t'entends beaucoup mieux. Il n'y a aucun souci. Hein. T'as suivi les petits conseils? Ok, enregistrer le break. Hein. J'enlevais un petit truc là au niveau du micro. Ça va toujours aussi bien? Ou vaut mieux que je revienne là comment j'étais juste avant? Bon, ça fait pas grande différence de ton côté. Pour ce que tu m'as dit, j'y suis allé plus modérément, on va dire, puisque c'est la valeur d'origine plus un point. Hachi, ce langage de sourd. Il y a eu un break en avant le break. Oui, le break, en avant le break. Ok, Pascal 14, bravo Charlie Alpha Romeo 217. C'est bien tout ça? Affirmatif, 100%. Ok, Pascal, les bonnes 13:51 à toi, retournez. Alors, il y a pour commencer le QSO, Florian Luculuc sur les quais de Bordeaux, Eric.
qui est Bordeaux Sud, Jean-Marie Belfégor, qui est sur le département 47, et puis moi, sur Sainte-Colombe, côté est, extrême est Gironde. Ok, bien reçu, mais en fait, déjà, j'avais une certaine situation avec vous, il y a quelques temps, parce que j'ai été un mois hospitalisé, et un mois et demi, j'avais fait une situation avec vous, je parle. Oui, mais de toute façon, là, tout récemment, vous étiez dans le QSO, on peut se tutoyer, au fait, hein, on est tous pareils. Et il n'y a pas longtemps, de toute façon, t'es déjà venu dans le QSO, parce que j'étais dans la liste. Voilà, j'ai pas une mémoire des meilleurs, donc je me tiens une liste, là, sur l'ordinateur, ce qui fait que ça me permet de retrouver, comme ça, très facilement, les stations. Ok, enregistrez le break derrière. Je pense que c'est Luc Luc. Luc Luc, oui, en avant. De mon côté, ça s'est amélioré, mais on sent quand même quelque chose dans la modulation. Retour sur Eric pour qu'il puisse envoyer les 73 à Pascal et en même temps te faire vite fait un petit report. Retour Eric. Ok. Enregistrez le break. Pascal, il n'y a pas de souci. Ok, faut dire qu'Eric, il est sur le sud de Bordeaux, hein, donc ça fait une sacrée route quand même. Hein. Oui, Belfégor, je crois que c'est toi qui as briqué derrière, en avant. Affirmatif, c'était juste pour dire à Pascal que là, je le reçois très très bien, la radio est petite, le signal n'est pas aidé, par contre la radio est très très bonne. Hein. Donc Pascal de Charente-Maritime, ici le département 47, c'est QSL. Hein. Donc la radio, le signal... Ok, de ton côté, Belfégor, tu m'entends bien là, parce qu'il y a eu quelques petites modifications là au niveau de la station là de fête. Ça va, ça passe bien de ton côté? Écoute, pour moi c'est signal 17, je répète, signal 17, par contre la radio est pas super. En plus t'as mis un écho derrière qui est pas splendide, mais ça c'est un chiffre à fois, ça c'est mon avis perso. Non, t'as l'écho qui te bouffe tout. Je répète, signal 6-7, voire 8, par contre la radio, manque un peu de punchy. Mais voilà, mais sinon, ça passe toujours cuirant. Ok, de toute façon, là, je suis en test, hein, il n'y a pas de problème, hein, j'ai l'autre micro, là, d'origine, sous la main. Ok, pourtant, le curseur, là, parce que là, j'ai branché un micro CB dessus, le curseur était pourtant à zéro, bon, dessus, j'ai rajouté un petit bouton pour pouvoir le couper le circuit carrément, hachi. Ok, est-ce que comme ça, c'est mieux, la radio est moins bonne, ou mieux qu'avant, vas-y, dis-moi ça, Belfégor. Enregistrer le break. Ce qui n'est pas le cas. Après un USB, c'est délicat aussi. Voilà. Donc le signal est bon, hein, mais la radio.
Ok, voilà, là je suis avec le micro d'origine. La radio est meilleure de ton côté? Négatif, signal 6, radio, oui, je t'entends, mais la radio est pas petite, pas puissante, quoi, voilà. Ouais, non, mais ce que je veux dire, c'est entre, là je suis avec le micro d'origine. Juste avant, j'étais avec un micro préampli CB. Entre les deux, quelle modulation tu préfères? Là maintenant avec le micro d'origine ou l'autre ou alors avec l'autre micro CB préampli? Ok, voilà, là je suis avec le préampli, là maintenant, donc dis-moi tout, parce que bon, j'ai déjà fait un test justement de proximité avec Thierry, ce qui m'a permis quand même de pouvoir régler le micro comme il faut, de façon à ne pas aller dans la saturation, juste en dessous, donc voilà, qu'est-ce que tu préfères, celui-ci ou le micro d'origine? Justement, là, comme ça j'aurai les deux tests, quelqu'un de près et toi qui est le plus éloigné. Voilà, je suis hachi. Je suis de retour avec le micro d'origine. Il me semble avoir entendu un break. En avant, les 73 Thierry. Ok, compris, voilà, il est sorti le micro préampli. Voilà, là je suis avec le micro d'origine, ça marche comme ça. Ah, chi. Retour Eric pour Thierry qui vient de rentrer dans le QSO. Ok, s'il y a des breaks, allez-y, en avant. C'est Thierry, il va se mettre à foutre le bordel ce soir, hein? Non, mais il y a une porteuse, par contre, à plus 40. Et pourquoi je foutrais le bordel ce soir? Je fais jamais ça, moi. Déconnez pas, monsieur Thierry, déconnez pas. Moi, j'ai déconné. Non, mais la porteuse, je sais d'où elle vient, vu le signal. Non, je sais, tu m'arrives pas aussi fort. Allez, je te laisse, Rémi. Bonne soirée. Ok, Belfegor, les 73, merci de ton petit passage. En plus, ou à plus. À plus. Retour Luke Luc, là, pour voir au niveau de ton micro. Bon, on a compris, je vais pas dire qui c'est en fréquence, hein, quand même, on va pas aller jusque là. On t'a reconnu, c'est bon. Ok Thierry, tu sais qui c'est, on va pas le nommer, c'est pas la peine. Ça serait de le rendre plus intéressant qu'il ne l'est. Retour Eric. Oui, la station pour le QSO national, les bottes 73-51 du groupe, là, du sud-ouest. Ah, il m'entend pas. Oui, retour sur la station, là, pour faire rentrer là, le break. Thank you.
Eric, est-ce que tu as entendu le break? Ah non, c'est du côté de chez vous, là, chez moi, négatif. Hein. À part le Luc, je vais en profiter. Est-ce que je vois Dolly 33, notre ami Ludovic, ou alors Christophe serait à l'écoute? Allez, en avant. T'as le branleur, hachi. Ah, ok, t'as dit pour une fois, c'est bon. Au fait, qu'est-ce que je veux dire, Rémi, ce salon, c'était bien? Ah ouais, génial, ouais, ouais, c'était pas mal, hein. Ah oui, t'as vu les quelques photos que j'ai mis, là? Oh l'enfoiré! Il y avait de jolies voitures, hein? Ouais, ouais. Ok, ok, là, mais 113, Looky Look, en anglais, Looky Look. Là, je l'entends pas, pas du tout. Mobile sur filaire, je crois. À son pro, voilà, mais là il a tiré une filaire, voilà. Avec une antenne filaire, il est arrêté, quoi. Il est à poste fixe, là. Ah, c'est un nom, lui, alors. Il est sur le pont Chamonix-Mans, il a tiré une filaire sur le pont Chamonix-Mans. Ah, mais c'est un nom, lui, quand même, encore. Non, il est à son pro, à côté du pont Chamonix-Mans, là, il est à son pro, là, voilà. Ah, ok, ok. Ah, il déconne. Ah, mais je l'entends pas. Moi, je l'entends pas du tout. Ok, ouais, c'est vrai que de mon côté, là, c'est un demi-point, et puis la radio de 1, hein, c'est vrai que ça, c'est pas épais. La dernière fois, j'en l'entendais mieux, mais bon, ça peut pas être à chaque fois pareil. Mais tu lui dis, au lieu qu'ils mettent la filière là, sur le... Ouais, c'est une filière qu'il a, c'est ça. Ouais, il l'a mis sur le pont Chamonix-Mans. Faudrait qu'il essaye de le mettre sur le pont François Mitterrand. Parce que c'est pas les mêmes politiques, alors peut-être que ça marche mieux. Et en plus, il est plus haut. Oui, en plus, il sera plus haut déjà. Ok, ben tu verras sur la vidéo. C'est vrai que là c'est étonnant parce que la dernière fois tu passais quand même assez bien avec une bonne radio. Là c'est vraiment au ras des pâquerettes, hein. Ouais, parce que là, par moment, ça arrive même à un Santiago zéro. Là, par ouais, Santiago zéro, un demi-point, c'est bizarre. Hein. Enfin, bon, c'est comme ça. Bon, alors, est-ce qu'il y a d'autres stations qui veulent rentrer dans le QSO? Est-ce que tu l'entends, toi, hein? Je l'entends à peine. Hein. Ah tiens, à propos de QSO, hier soir, la région centre a fait le QSO du canal 27, là, de leur côté, quoi. Alors, ce qui fait que, du coup, ils font jeudi, vendredi, samedi. Eh ben, bordel, ils vont réussir à faire la semaine complète, comme ça. Eh ben, ça fera un long week-end. Ah, putain, oui. Et ce matin, là, en fin de matinée, là, il y a eu un bel coup de propagation, hein.
Ouais, vas-y, raconte, qu'est-ce que t'as fait comme contact? Bon, ben alors là, j'ai cartonné, la Suisse, la France, qu'est-ce que j'ai eu aussi, la Corse, oh, il y en a pas mal, hein, y a la Normandie, oh, j'ai entendu, ouais, la Bretagne, oh là là, il y en a pas mal, hein, j'ai fait le tour. Oui, affirmatif, mais il y a quelqu'un qui a repris derrière, j'attendais pour voir. Ok, d'accord, bah, putain, ouais, ça a l'air d'être pas mal, quoi.